Merci, donc voilà, c'était le CLAP, le club de littérature, d'art et de philosophie du complexe scolaire international Cœur Major. Maintenant, avec l'aide et l'accompagnement et l'encadrement donc, du directeur des études, M. Biagui, du surveillant général, M. Diop, mais aussi d'autres collègues qui sont venus nous aider. Une statue pareil. Pour chaque quartier, parce que chaque quartier, il y a un saint patron ou bien une sainte patronne. Mm-hmm. Dans le quartier là, c'est le quartier de Ndiaye. Ça, c'est la sainte patronne, elle s'appelle Santa Maria. Santa Maria. C'est la sainte patronne du quartier. Sainte Maria en espagnol. Voilà. C'est la Sainte Marie. Sainte Marie. C'est la Sainte Marie. Voilà. Il est natif du village, hein, celui qui a fait le statut là. Il est natif du village. Ouais. Il est natif du village. C'est au Falchien quoi. Maurice Ndong. Ouais. Sainte patronne de ce quartier. À ma droite, de loin là-bas, bon, si vous voyez, il y a une croix appelée le Baobab. Là-bas, c'est le quartier de Djoum. Et la Sainte patronne, c'est Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, quartier Sainte... de Djoum. Voilà, là-bas. Quartier de Djoum. Sainte Thérèse, quartier de Djoum. C'est bon. Il y a une autre qui est de l'autre côté, à Ngornep. On ne peut pas le voir. Quoi, là-bas, c'est Saint-Raphaël. Saint-Raphaël. Il y a Saint-Raphaël, il y a Saint-François, il y a Notre-Dame de Lourdes et il y a aussi Saint-Éloi. L'autre nom, c'est l'île aux coquillages. L'île aux coquillages. Les coquillages par rapport à nos ancêtres. Parce qu'ils vivaient des fruits de la mer, vous voyez. Donc, c'est pour cela que partout dans l'île, il n'y a que des coquillages. On n'a pas de sable ici. Pour les constructions, si on a besoin de sable, on se déplace vers Joal. Dans chaque quartier, il y a un saint ou bien une sainte, n'est-ce pas? Voilà, chaque quartier, il y a, et ça se comprend facilement, parce que nous sommes dans une zone à majoritairement composée de catholiques. Même s'il y a des musulmans, il y a même un imam. Ouais. Il y a l'imam de Fadjour. Il n'y a pas que des musulmans, il y a des chrétiens aussi. Dans cette maison. Dans cette maison qui habite là-bas. Vous avez vu? Donc, dans la maison où on a construit la mosquée, il y a une partie musulmane et une partie catholique. C'est extraordinaire. Est-ce que vous savez qu'en Europe, il y a un problème qui se pose, la laïcité? C'est entre les différentes religions. Monsieur Six est là, il sait de quoi je parle. Ici, on a réglé ce problème. Qu'on soit catholique, musulman, ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'on est être humain, d'abord. C'est bon. Donc, vous devez copier ça et conserver ça jalousement. On n'a pas besoin de se bagarrer car nous ne partageons pas la même religion. On n'a pas besoin de se bagarrer car nous ne sommes pas de la même ethnie. Des personnes que nous avons eu à rencontrer dans notre vie. Imaginez, la dernière fois, on était venus là avec les élèves du groupe scolaire Étienne Monique. Cette personne que vous voyez là, nous avait quand même donné un peu de temps, de son temps. Le temps est précieux. Mais il a pris quand même un peu de son temps pour nous donner quelques orientations dans la vie. Et c'était très important. Et les jeunes d'Étienne Monique avaient beaucoup apprécié. Vous savez, cette personne que vous voyez là, Dieu a fait qu'ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Ils ont le vécu, comme je l'ai dit tantôt. Donc nous, en tant que jeunes, qui doivent
affronter la vie, on doit s'approcher de ces personnes-là pour bénéficier de leurs conseils. Est-ce que vous avez compris? Surtout, retenez bien le slogan, le respect de l'ancien est très important. François, pour que davantage il vous explique, il vous donne encore beaucoup plus d'orientation. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Et dans la vie, c'est très difficile. Mais il faut appliquer ça. Tout d'abord, c'est le vieux qui commence. J'ai 78 ans maintenant. Comme le gars lui l'a dit, respecter. Le respect. La vieillesse. Les vieillards. Faut respecter les vieux. Après, les vieux vous donnent la main. La bénédiction, la grâce. La grâce. La bénédiction. Ah oui. C'est comme ça, hein. Et vous respectez vos maîtres. Mm-hmm. Tranquille. Prenez-vous, s'il vous plaît. Mais là, tout est fini. La vie est très courte maintenant. La particularité de gens qui habitent sur l'île. Uh-huh. Malgré qu'on est chrétien, mm-hmm. là vous voyez, il y a le calvaire. Mm-hmm. Et là, il y a un lieu sacré. Mm-hmm. Très bien. Donc il y a un synchronisme religieux. Mm-hmm. Très bien. Parce qu'avant le christianisme et la religion musulmane, mm-hmm. nos grands-parents, ils étaient des païens, des animistes. Effectivement. Et cette culture-là, on l'a gardée jusqu'à présent. Il y en a qui sont encore animistes dans ce pays. Non. Pour le moment, non. Mais malgré tout ça, malgré la religion, mm-hmm. on croit toujours à ce qu'on a. Appelle le christianisme noir et l'islam noir. Voilà. On est musulman, on est catholique, mais on garde jalousement les pratiques. Voilà. On ne laisse pas les pratiques, n'est-ce pas? On a essayé de joindre l'utile à l'agréable. Nous avons eu à visiter pas mal de zones. Nous avons commencé par Joal, Fadjout, pour la diversité culturelle, pour l'entente entre les différentes confessions religieuses. Ensuite, nous nous sommes rendus au baobab de Fadjal, c'est-à-dire le plus grand baobab du Sénégal, qui a 850 ans. Nous avons aussi visité Djilor, le royaume d'enfance de Léopold Sédar Senghor, l'ancien président poète. Et nous sommes maintenant là à Ndangan. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler. Je réponds au nom de Farilam de la 3e A. Je pense que nous avons joint l'utile à l'agréable. Nous avons visité divers sites, entre autres Joal, Fadjout, Fadjal, Djilor et enfin Ndangan. Merci. Merci. Bonjour. C'est le CLAP, Club de littérature, d'art et de philosophie du complexe scolaire international Cœur Major. Moi qui vous parle à l'instant, je réponds au nom de Mohamed Gaye, je suis élève en classe de seconde S. Je laisse le soin à mes chers camarades afin qu'ils se présentent. Je m'appelle Bamoussa Camara de la même classe. Bonjour, je réponds au nom de Lala Matimane. Je suis en seconde L. Bonjour, je réponds au nom de Rofrenia, je suis de la même classe. Comme vous le savez, nous sommes ici à Ndangan aujourd'hui dans le cadre des activités périscolaires. C'est un club de langue qui cherche à rompre avec l'abstrait. Je pense que ce fut une très belle journée, magnifique, riche donc en enseignements. Nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup noté, on nous a bien servi et nous avons essayé à la fin donc de nous amuser un peu, histoire donc de décompresser. Donc c'est pour dire que à Cœur Major, les clubs donc sont dynamiques. Ce n'est pas le seul club, il y a d'autres clubs, donc, mais ça entre dans le cadre des activités, de l'épanouissement de l'élève, car l'élève, ce n'est pas seulement entre les quatre murs.
Il faut permettre aussi à l'élève de rompre avec l'abstrait, de changer d'air, décompresser. Ils ont beaucoup aimé et ce sera l'occasion pour nous, en tant qu'enseignants, éducateurs, de continuer à les sensibiliser afin qu'ils redoublent d'efforts. Comme ça, à coup sûr, les résultats, les échéances qui vont venir, ils vont se donner à fond et donc donner le meilleur d'eux-mêmes pour hisser plus haut encore donc Cœur Major. Les clubs sont très importants car ce sont des cadres d'échange qui permettent à l'élève non seulement d'acquérir de nouvelles connaissances mais aussi sur le plan communicationnel. Aujourd'hui, la communication elle occupe une place de choix dans notre société. Pour communiquer, il faut participer. Les clubs forment les élèves, que ce soit le club d'anglais, le club de philosophie, le club de français, même le club de gym. Voilà, avec le sport aujourd'hui qui est devenu une entreprise économique qui rapporte beaucoup d'argent. Donc je pense que les clubs doivent être dynamiques. Et dans ce sens, nous remercions le directeur des études aujourd'hui qui non seulement a accepté, mais aussi la proposition, mais est venu et nous a aidé dans l'encadrement. Ce qui prouve que donc, il est obsédé par les résultats. Donc chapeau à lui, à l'administration, bref à tout le monde. Donc il faut, pour intégrer les clubs, c'est très facile, il faut venir avoir une carte de membre. Ensuite, essayer donc de participer aux différentes activités. Et je pense qu'à Cœur Major, on est en train de voir quand même du renouveau. Une journée magnifique. C'est si Cœur Major, la référence dans l'excellence. Voilà, merci. Sénégal,